T'as ramassé sa queue là, ils sont pas là pour rigoler. Incroyable, Laureline. Tu crois qu'ils ont oublié la règle de la tour? Ça passe pas, 2 HP. Oh, ils sont alpha, oh qu'ils sont beaux. C'est la plus belle manche du tournoi. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai l'honneur d'accueillir Pejo avec moi. On va se régaler, on a des beaux matchs à voir, on a des beaux BO. On a eu en vrai des matchs, franchement, moi j'étais un peu étonné. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de résistance, que ce soit autant close. Après, c'est le format, je pense qu'il le veut. De kill, c'est peu. Il n'y a pas de win no farm, donc forcément, t'es obligé de jouer un peu agressif. Ben, c'est un format très punitif, en vrai. Ouais. Parce que ben, sur un all-in, une erreur, les deux peuvent mourir et du coup, tu peux clairement perdre la game sur ça. Enfin, ça propose du jeu parce qu'on a vu des games dès l'entrée, enfin ils ont même pas tapé les CS, que ben, les gens ils se fracassaient et c'était quasiment fini quoi. Donc ça qui est bien. Ouais. Moi ça met en avant le spectacle et je trouve que c'est bien. Donc là on va avoir du lourd. En premier match nous avons Qatar et Manati contre Tukui et Krakmo. Donc là il y a du tryhard. Hein. Là par contre là ouais. Les deux duos ça tryhard de fou. Hein. Sur le papier je pense que Tukui et Krakmo, je pense que c'est les cracks un peu de. Mais je pense que c'est les favoris. Moi je les mets comme favoris parce que Krakmo il a déjà fait des tournois 1v1. Il est très fort, je crois il avait même gagné le tournoi. Red Bull, France, tout ça, donc c'est un mec, il a de l'expérience et il est très très fort, et honnêtement je serais assez étonné de les voir perdre. Moi je les vois bien aller en finale, une petite finale tout couille, Krakmo contre Saken et Targama, je pense que ça pourrait être une je pense que finale. Sur le papier c'était la finale attendue, sur le papier. Ouais. Allez le chat c'est parti, je veux des emotes pour votre duo favori. Go spammer Tukui Krakmo contre Madrose et Qatar. Premier match, donc du coup moi je pense que la première équipe qui va commencer à prendre l'avantage au niveau des waves c'est potentiellement celle qui va gagner. Attention Qatar ouais. Qui risque peut-être de fessier. Qatar, attention le bash hein. Attention, il est tout seul, il est venu derrière. Okay, Magrose qui n'était pas ready pour pile Qatar, on a déjà pris pas mal de dégâts. Attention là-haut, ça commence direct hein. Donc là ça se regarde un petit peu, je pense qu'il va attendre que ça push back. Attention, peut-être potentiellement le trade surtout couille. Manati qui prend quelques dégâts de la part d'Aniva, il est un petit peu isolé. Attention à ça quand même, le critique qui part attention. De la part de Trindamer, le Gwyn sur Qatar. Qatar qui va se faire tomber. Le fire, l'ulti, l'exode qui est également claqué, la régène, Tukui qui a craqué son ulti, attention, peut-être le premier ça pour l'équipe de Tukui, bien joué à eux, et Trindamer qui va potentiellement pas tomber. Oh, franchement, là, moi je suis Tukui, Krakmo, si je veux assurer la victoire, ben je jouerai ouais. Sur ça, attention, le all-in potentiellement. Non, ok. Il tanque la tour. Ouais, Qatar qui prend énormément de dégâts, qui se retrouve une HP, l'Ignite qui est parti direction Qatar, le Gwyn de Tukui sur Qatar, Qatar qui calme, qui arrive à résister, le Trindamer qui va potentiellement lâcher son ulti, également l'ulti de la part de Qatar, attention. Manachi, oh le Go-in! Bien joué! Ils ont gagné! Le Link, il est tellement tanky! Il a tanké pendant 1 million d'années! Là, il faut regarder Qatar là. Regarde, Qatar, il va claquer son ulti. Voilà, regarde, là, il sustain, il est pas sous Ignite. Trindamer se retrouve à ulti. Manachi va flash out. Il va potentiellement shield Qatar, qui ne peut il pas mourir. C'est ça qui carry, c'est le shield. Et voilà. Et oh là, il a suivi avec son Q-spell. Et voilà. Oh là là, c'était magnifique! Oh, l'exhaust de Krakmo qui revient à la fin! Et ouais. Manachi nous sortir des dengueries tout à l'heure, donc pourquoi pas? Attention, potentiellement le petit trade, le poke de belle cause. Ça all-in sur Jarad, il va sûrement tomber sur le all-in. Il est mort. La distance. Il peut pas survivre. Il va mourir, voilà, il va mourir, il peut pas sauver. Shogat, attends, mais c'est je rappelle qu'il n'a pas de flash. Shogat n'a pas de flash, gros. Il va tomber, c'est fini, c'est terminé. Kana a un flash, c'est fini, GG. C'est fini. Propre. Vraiment très ok, ok. Bon, là, je pense qu'ils ont voulu tenter une draft, mais. De toute façon, le pick Kiana pour moi est trop fort. Hein. Kiana, c'est un ban. Ouais. Vel'Koz Kiana, et on a le Ivern qui est up avec un Rengar. On a le combo Ivern-Rengar. Attends, mais c'est... Oh, j'ai envie de voir. Oh, Ivern-Rengar. Rengar tank. Oh là là, ça va être incroyable. Et ils ont le Vel'Koz pour leur dire si tu all-in pas, on gagne. Tu vois. Ouais. Oh, attention, le all-in sur Rengar. Le Rengar qui va sûrement tomber. Première mort de la part de l'équipe de Qatar. Ah, le burst. Ça va pas aller plus loin. En vrai, équipe du Sud. On va voir s'il y a des vrais sudistes, gros. Attention, potentiellement, peut-être le Lolin sur Vel'Koz. On y est, c'est maintenant. Il va se réveiller. Ah, multi sur le Rengar. Attention, Rengar qui va devoir reculer, qui va. Le double Z. Un petit peu une part des dégâts. Attention, le Kiana qui va peut-être tomber. Et il vient Kiana des dégâts. Attention, tout Kui qui a flash out et Manati qui va prendre. Il y a double tomber, Z, il y a double Z. Oh non, dommage, le double Z qui a failli prendre. On va aller les prendre en vocal. Avec... Tranquille, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ça va? Bah écoute, franchement, merci pour le beau jeu, les gars. Merci. Et un gros respect pour le Ivern Rengar poigne. J'ai adoré. Ah, mais en vrai, j'ai pas très bien joué. Moi, je pense qu'on a pas très bien joué. Mais en vrai, la game avec Warwick Ivern, vous avez trop bien joué. Ouais, c'était sympa. Là, le pick Kiana pour moi, il est trop fort, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je voulais le ban, mais Manati était en mode non, t'inquiète. Moi, j'étais en mode en Aram. Ça va pas être trop fort, mais ouais, le champion est vraiment buff en Aram, c'était vraiment fort. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, ciao. Le prochain BO3 que nous avons arrive. Ça va être compliqué parce que là, mentalement, avec Pej, on va cast 4 personnes qu'on apprécie. On va cast Sididi Nakatine, 2 membres de la team du Sud, contre Melon et Krupi. Melon, midlaner de la team du Sud, et Krupi, midlaner de Apero eSport, notre team fun, on va dire. On va devoir caster nos potes en fait. Est-ce que ça va jouer Alpha? Je l'espère. C'est parti, le chat, on y va. Tu veux dire le Black Shield? Je crois pas qu'il est caché. Ouais, Black Shield. Attention, Lolin, triple shuriken peut-être. Triple shuriken, c'est là.
melon, le combo. Attention, attention, peut-être le deuxième il kill. Il a plus de flash, il a plus de flash, peut-être le deuxième kill qui va être trouvé sur CDG. Attends, Creepy Oom, Creepy Oom, CDG peut faire, le, faire les deux kills. Ouais, mais c'est, ça sera pas worse. Attention, il prend énormément de dégâts, le R qui est claqué, Creepy qui va s'en sortir avec un petit peu ça de va être dur, hein. Deux persos mobiles, un qui peut se rendre invisible et l'autre qui. Le Vachine, ça va. C'est fini, premier round remporté par Melon Creepy du coup, ça a joué très aggro. En tout cas c'est parti pour la game. C'est parti, sur les mêmes idées au niveau de tapé, attends, dès le niveau 1 ça commence déjà à s'agresser. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça va, oh re-engage la Kali qui va go, la Kali qui va également follow up, le volibear. Ça focus volibear, hein. Tout seul. Ça focus volibear. Ça potentiellement mourir sur les coups de la Kali, non ça flash déjà dès les premiers niveaux. Hein. Tu te fais bully et t'as... tu peux même pas avancer, attention à l'all-in de Melon peut-être. Sur l'all-in. Ça engage. Naka qui a pensé avec son ulti. Ouais, oh. Attention, attention, ça passe pour Naka là. On en est au niveau des HP, Nakatine qui va devoir flash out et Creepy qui va très loin HP. Oh, et le CDG qui nous retrouve le premier sang sur la Kali. Très bien joué de la part de CDG. Bah ouais, clairement, mais là. Je pense attends, mais pour moi, Volibear est un hidden OP. Ok, c'est le Volibear, c'est parti. Ça va jouer maintenant. On focus Naka, on a l'ulti. Ah, oh non, il a loupé. Attention, Nakatine qui va tomber. Creepy qui va peut-être tomber. CDG qui va peut-être trouver le kill. Et non, il préfère jouer safe. Reculer, attention. Il va tomber. Attention, Melon. La Kiriku masquée, attention. Est-ce qu'elle peut passer celle-là? Oh, le all-in, le passage niveau 16. Ah non, ils vont all-in, non, sur c'est fini all-in, faut jouer la tour. Attention, oh, oh attention, le Melon qui va peut-être tomber sous les coups de Nakatine et de Sidi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, Melon est mort. Il est trop tant qu'il a. Et c'est le GG. Bravo, bravo. Et mettez ce que vous mangez, ce que vous buvez, les gars. C'est apéro time, c'est repas time. Ah, attention, la Chine de la part de Kuki, le all-in qui va tomber, c'est qui va tomber, le Zac qui va sûrement résister et pas tomber. Oh là là, le full all-in. C'était clean. Poppy qui va potentiellement poke avec son... Sachant que Poppy d'ailleurs a été up au dernier patch, alors je sais pas ce que ça vaut en Aram. Attention Naka, ça a été up au dernier patch le CD. Attention Naki qui a peut-être tombé, ok, on force l'ulti. On force l'ulti, attention, CD qui se fait go. Naka, attention, attention les dégâts, les dégâts. Ah ça va être dur, c'est CD qui retourne et qui va tomber. Oh non, c'est la fin, malheureusement. Et yo les gars. Yo les BG. Yo. Oh les potos, ça vaut quoi? Écoute, tranquille. Ah bah ça va, écoute. Ça va, tranquille? Ouais. Les gars, vous avez régalé. Ah. Vous avez gagné votre premier match. Vous avez tout donné. Vous avez failli prendre Melon et Creepy. Ah, dommage. La Poppy était trop stonks en fait. On voulait faire kiffer les viewers un peu à la troisième game. On a pensé à vous, les gars. Mais c'était compliqué. On pouvait pas. En fait, c'est juste, vous nous avez vu, on a essayé, mais on peut pas go. C'était pas jouable. Ouais, mais au moins, ça. C'était compliqué. Les Poppy, c'était trop fort comme pick là-dessus. C'est ça. En tout cas, les potes, merci pour ça, pour le spectacle. Vous avez régalé, vous avez représenté la team du Sud. Ok, oui. Ça qu'il fallait. Prochain BO, ça commence maintenant, les amis. Sakun Targamas contre Younes, no meta player. Ça, c'est un banger. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être n'importe quoi. Attention, le crossover est ouf. Elle est partie sur pas mal de résistance magique. Ça va direct dans le bush. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, la caméra qui trolle un peu. Attention, ça go in. Ok, l'apéro. L'apéro. Ok, what? Il y a déjà un kill. Le premier kill peut-être. Oh là 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 là. Attends. Incroyable les dégâts. Oh là 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 là. On a rien vu. T'as ramassé sa queue là. Ils sont pas là pour rigoler. Ok, petit all-in sur Lulu. Attention, oh le combo est bon. Le combo est très très bon. Ouais, la Lulu qui prend énormément de dégâts. Très bon Zhonya. Zac qui va potentiellement tomber, là, Anivelle également. Attends, mais. Attention, attends, mais les dégâts sont très bons. Le premier sang, est-ce que Zac va pouvoir tenir? Si Potter, si Potter. Ok. Ah non. Oh, c'est close. C'est terminé. Et la game commence. De dodge le. Ouais. L'aspiration d'âme. C'est vraiment ça. Attention, l'all-in. Ça va all-in, hein. Ça va all-in. Younes qui a du flash. Ah, il a loupé l'âme. Dommage. Il a loupé son E. Ouais. Faut pas louper. Attends, c'est le Z ou le E? C'est le E. Oh, attention, Younes qui s'est quand même bien rapproché. Le heal qui a été claqué. Comment ils peuvent burst en fait avec Illaoi? Le pic Illaoi en fait est contradictoire avec Shogat. Attention, l'all-in. Attention, voilà, et voilà, c'est terminé. Ouais. Attention, Sakun qui utilise son chronomètre avec son flash out. Et un kill qui a déjà été trouvé. Attention, Nico qui se retrouve seul. Younes qui se retrouve qu'à mid HP. Et Sakun qui va récupérer son ulti. Attention, le burst sur Younes. Ah, c'est fini. Hein. Attention, c'est terminé. Ah, les dégâts, c'est terminé. Sakun. Et bonsoir, les gars. Ça va ou quoi? Tranquille? Ah, super. Je tenais à vous féliciter pour vos picks fun, pour votre tryhard et pour avoir sorti Chapé Aldarias. Bravo. Ouais. Je vous apprends pour ça déjà. Respect, les gars. Je kiffe en pile déjà. Je suis admiratif de ton hiverne Omnistone. Voilà. Ouais, c'est son main, ouais. C'est ma création. Voilà, parce que voilà, tu as fait des procs poignes, c'est tout ce que je voulais voir, tu as pensé à moi, c'était magnifique. Et merci pour le spectacle les gars, j'espère que vous avez quand même kiffé faire le tournoi. Bien sûr. Parce que le format et tout, je sais pas si ça vous a plu. Ah oui, c'était j'ai des retours à... Bah tant mieux. Ciao les gars, bonne soirée. Bonne soirée. A plus. Les amis, on a Sardoche, Amy. Regardez, ça commence direct la draft. Aïe aïe aïe. Entre Shark et Wax, on va les tweeter un autre banger de soir attendu. Let's go. On y va. Sardoche, Amy. Duo emblématique contre Shark et Wax. Shark et Wax, la Solary Team, on y va. Parce que ben, tu sustain naturellement avec ton passif et tu poke énormément. Attention, attention. Le flash in de Shark sur Sardoche qui va craquer la barrière, mais qui va pas craquer le flash. Et non, regarde, on regarde, 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 regarde,
Regarde, oh la boule de neige pour se remplacer. Bien joué, attention le Z. Attends, mais Shark Gamer, il a mis son Z pour les dégâts. Du coup, il a pas pu tanker. Wow. Alors il a pas Z. Attention, le flashing. Attention, attention nous. Emu, ça... Attention, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Oh là là, ils sont bouillants. Qui... Ils sont bouillants. Nous a fait rêver. Mew nous a fait rêver. Ils sont bouillants. Incroyable. Ils sont bouillants. Je crois qu'il a pas Z, Shark. Hein. Je crois qu'il a pas Z, ouais. Il a pas Z, hein. Il a pas Z, hein. Ah, il a pas Z. Regarde. Non, non, regarde, là il aurait pu Z. Ah ouais, mais il a pas Z. Non, ah oui, Z. Ok. Et let's go, c'est parti. Sardosh et Mi contre Wax et Shark. On y va. Attention, attention, le trade sur Wax. Attention, le flashing de Sardosh. De Sardosh, le Shark. Coup de langue. Le flashing de Wax. Le flashing de Wax, l'exhaust. Qui se fait exactement exhaust. Attention, il y a peut-être un Sardosh qui va peut-être. Attention, oh, ça se donne sur le fond. Coup de langue dans le fion de Wax. Il a vraiment mis. Non, je te jure, si tu regardes le replay, il lui a mis le coup de langue dans le cul. Je te promets qu'il lui a mis dans le derche. Oh là là, elle est incroyable cette game déjà là. Elle est incroyable, ouais, c'est. Putain, ils jouent tous aggro, ils me régalent, je vais tous leur faire des câlins après le tournoi. Vraiment, c'est. Je leur ai dit, attention, ils montrent le bonjour. Attention, attention, oh là, c'est close. Attends, oh, c'est close. Shark, attends, Shark qui n'a pas R. Et ouais, attends, ils vont, attention, ils vont bait. Mais ils vont pas tout clé, voilà, exactement. Attention. C'est tellement close. Mew qui a son ulti. Mew qui a son ulti. Oh mon dieu, le kill. Incroyable. Le flashin, incroyable. Le flashin. Et Sardosh qui passe en demi-finale. Sardosh, Mew contre Saken et Tar'Gamaz, gros. Aïe. On l'a. Oh là 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 là. On va avoir un banger. On va aller interviewer de suite Wax et Shark, les pauvres, les frérots de Solary. Ah, c'est dommage. Allez, yo les gars. Yo. Bonsoir les potos. Ah, on est déçus là. Putain, c'est les potos de Solary. Ah, ça a été un peu compliqué. C'était compliqué. Wax, ça va? Ouais, je suis encore un peu explosé. J'ai pas encore récupéré du rush d'Ophus, mais ça va. C'est ce que je me disais, ouais, le rush d'Ophus. Ça c'est un peu mal. Non, là c'est pas pour ça qu'on perd. Mais... Non, ils ont été meilleurs. Ils ont bien joué, ils ont été bien aggro. Vous aussi, vous avez joué le jeu. C'est bien les gars. Franchement, merci pour les games. C'était très agréable à casse. Essayez la première game d'être aggro, mais il faisait beaucoup plus mal que ce qu'on s'attendait. Ouais, clairement. On a vu en plus la première game, genre, t'as hésité sur le Z et en fait ils ont eu trop de dégâts, ça t'a surpris en fait. Ouais, mais et en fait il m'a mis un petit wall qui m'a bump et du coup quand j'ai voulu ça m'a cancel mon Z et après je l'ai pas spam et ça l'a pas activé derrière. D'accord, ok. Ça a été monstrueux, genre quand Wax se fait full burst et il lui reste genre 3 HP, t'as pas R. Alors, je sais pas si c'est du misplay ou si non, c'est du 3-5Q. Honnêtement, je connais bien Vel'Koz quand même, du coup je savais qu'il crevait pas. Beaucoup, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il survive à 3 PV, mais je savais qu'il crevait pas. Il m'en restait 15 exactement. En tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir dans le tournoi. Bravo pour hier pour la game contre Viking et Atrix et voilà, bah écoutez, ça s'arrête ici malheureusement. Ouais, dommage. Le prochain, vous serez conviés pour le prochain, vous inquiétez pas. Et bonne chance du coup. Passez une bonne soirée les gars, merci pour tout. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée, bisous, bonne chance pour la suite du tournoi. Merci, merci. Ciao. On passe en demi-finale, nous avons côté gauche, Tukui, Crackmo contre Melon et Krupi, demi-finale numéro 2, Sardosh et Mi contre Saken, Tar'Gamaz. On ne fait pas de pause, on enchaîne de suite sur les demi-finales. Franchement, ça va être un banger, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Vraiment que le meilleur gagne, moi je pense que c'est du 60, 65, 35, je dirais quand même plus à l'avantage de Tukui. Je dirais... 60-40 pour Crackmo Tukui. Mais Krupi et Melon sont des frères. Je vais donner mon énergie vitale pour eux parce que c'est des frérots. Et c'est parti, la game se lance direct. Première demi-finale. Crackmo Tukui contre Melon Krupi, les frérots du sud. Là, on aura droit à l'erreur quand même parce que la BO3, mine de rien, c'est très punitif aussi. Potentiellement. Flashin Krupi ou la Krupi. Attention, ça reprend un trade en retour. Ouh là là là, le petit flashin qui est loupé. Attention. Crackmo Lolin. Crackmo qui va au lead. Le wall, le stun. Attention. Attention, le flash de la part de Melon, Melon qui va tomber. Oh là là, mais je voudrais Tiana qui va peut-être tomber. Tiana qui va tomber. Tukui, il est tu. La Tiana incroyable. Et Crackmo qui se retrouve tout seul. Et avec Krups, il pas besoin du flash, gros. J'ai totalement bégayé dans le fight, ça allait trop vite. Hein. Attention. Crackmo. Attention, hein. Mais attends, Crackmo qui a son. Attention, le très bel ulti. Le flash de la part Krupi qui a été loupé. Le all-in sur Melon qui va tomber. Sous les coups de Tukui. Tukui qui a trouvé le kill sur Krupi. Krupi va-t-il pouvoir s'en sortir? Attention, il a loupé le tunnel et ça va. Il va réussir à s'en sortir. Oh là là, c'est close. C'est très close. Bah là, il faut juste full push. Faut que Crackmo il envoie son ulti dans la zone. Voilà. Et ils vont ego la tour. Et ils vont ego la tour. C'est tout. C'est terminé, je pense. Il faut all-in. Il faut all-in maintenant. Côté Melon et Krupi. Il faut all-in. Et voilà. Et Krupi va all-in sur. Attention. Ok, ça recule, ça joue très safe un Tukui. Ah oui, il a all-in pour pouvoir temporiser la tour. Oh là là, ouais, là c'est 8000 IQ là tout ça là. C'est très très chaud là. Et c'est tout, on a passé le cap des 15 casques. L'all-in, attention, son contour, Tukui. Attention, Tukui, c'est le kill, ils ont gagné. Incroyable. L'all-in est passé, incroyable. Voilà, et ça a tempo, et là Krupi va re-engage sur Tukui, je crois, avec un flashing ou un truc comme ça. Oui, il c'est prend ça. Son tunnel. Il a ego. Tunnel. Oh, le très bon stun de Melon. C'est Melon en fait. Melon qui stun. Qui arrive à stun Tukui. Il air flash. Et re-stun Tukui. Et Krupi qui all-in avec un bump. Et c'est terminé. On y va. Crackmo Tukui. Melon Krupi. Sur la Caitlyn. Et Tukui du coup sur un hiverne. Un et, on a encore donc du coup l'Arexei. C'est très fort.
Attention, l'olive. Non, 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 Krakmo qui prend beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, Krupi qui met non en dégâts. Hop, je le sens pas ultra à l'aise, Krakmo, sur la Kate. Ouais, là. Melon Krupi là qui. Attention taquine, hein. Attention. Le heal, le flash out. Krakmo le trap qui a touché. Le trap était beau. Hein. C'est dommage un peu de perdre Marguerite comme ça, je trouve. Attention, Melon qui va peut-être trouver un all-in sur Krakmo. Le double flash qui a été claqué de la part de Tukui. Et Krakmo, le all-in de Krupi sur Caitlyn. Caitlyn qui va peut-être tomber. Krupi qui met énormément de dégâts et qui va disengage tranquillement. Pour tout simplement. Profiter de ça. L'all-in, de toute façon. Ah, il a fail l'ulti, il a mis dans l'autre sens. Il a fail l'ulti, c'est dommage. Et du coup, l'engage n'a plus aucun sens. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas de dégâts hein, avec leur hiverne. C'est la tankiness de. De toute façon, Krakmo qui se fait terre. Krakmo se fait terre. Attention, Krupi, le très bon stop. Bon stopwatch, Krupi qui va peut-être se faire zigouiller. Et non, il va peut-être s'en sortir, non. Il va repartir tranquillement sur ses tunnels. Et il veut prendre le tunnel. Oula, le tunnel. Melon qui va devoir tank, ok. Et voilà, ça a fail, hein. Ça veut trouver le kill. Marguerite qui fait énormément de dégâts. Le stun qui est trouvé. Hiverne, c'est totalement abusé. Et Krupi ouais, qui se fait un peu. Ah, Melon ouais, hein. Qui fait énormément de dégâts sur Krakmo. Le trap. Attention, le kill sur Caitlyn. C'est fini, ils vont détruire la tour. C'est fini. Krupi Melon, ils ont gagné. C'est terminé. Ils vont gagner. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Krupi qui veut tout. Tukui et Krakmo qui vont sortir. Mais ouais, il faut pas qu'il meure. Melon doit pas mourir. Il va détruire la tour. Et en plus, Tukui il a rien pour FKIR. Il a rien. Il faut qu'il dépush. Il doit dépush Tukui. Il faut qu'il dépush Tukui. Et ouais. Faut qu'il arrive à dépush. On a 15 secondes sur la Caitlyn. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver cette tour? Attention, Krupi qui va focus la tour. Il faut ignorer. Il faut taper la tour. La tour, Melon vite. Il va réussir à tenir. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Ignorez-le. Pourquoi il ignore pas? Pourquoi il ignore pas? Ils ont pas ignoré le hiverne. Ils peuvent pas finir Slipoux. Attention, la tour qui va commencer à prendre un peu cher, la Krakmo qui met pas mal d'auto-attaque sur cette tour. Il faut all-in. Il va falloir all-in bientôt. La tour qui prend très cher. Krakmo, ils ont pris énormément de dégâts. Il y a beaucoup d'headshots. Attention, Caitlyn qui se fait mal par Krupi qui va trouver le all-in potentiellement sur Krakmo. Ok, ça va sustain tranquillement. C'est close, ça se joue à du détail. Tu crois qu'ils ont oublié la règle de la tour? J'ai l'impression qu'ils ont oublié la règle de la tour. Attends, est-ce qu'ils vont tenter? Là, il faut all-in en vrai. En fait, là, pourquoi? Explique-moi pourquoi Krupi rush pas la tour et il tape. Mais il stresse! Ils ont pas les dégâts! Ils viennent de faire pour le tenir, gros! Ils viennent de faire 40 minutes d'arame! Ils ne savent pas quoi faire! Ils sont paumés, ils savent plus quoi faire! C'est long, mais c'est. Il faut all-in! Allez, on y va! Oh, le flash-in de Krupi sur Krakmo! Krupi qui va se faire contrôler si Krupi meurt, c'est terminé! Krupi est mort! Tous les coups! Il y a un partout! La game est finie! C'est terminé! Il va pouvoir détruire cette tour! Non, ça fait pas. Après, s'ils perdent, ils vont m'en vouloir. Ça y est, la tour, c'est terminé. Et voilà. C'est terminé! Oh, une auto-attaque! Une auto, il manquait! Ah, attends, mais là, il a remis une tour, c'est reparti! Non, je rigole. C'est pas fini, il y a encore la tour. Ah, mais c'est le kill, c'est bon, c'est fini. La game est lancée, monsieur Slipix. On y va, le chat! La dernière game de la demi-finale numéro 1. Avant le banger match. Incroyable, Carbo. Attention, le POC, Krupi, attention! Oula! Ok, on rend le trade. Krupi qui go in, attention, Krupi qui risque de tomber. Ok, petit all-in. POC, attention, Camille all-in sur level cause. Tukui qui prend le all-in. Krupi qui. Oh, Tukui qui prend énormément de dégâts, qui va devoir flash out. Puni d'attention. All-in sur Krakmo. Ouais, ça esquive bien. Trop de dégâts, il faut qu'il le tire. Krupi qui prend le dégâts, voilà. Le combo. Ok, Vel'Koz qui a son ulti. Melon attention, peut-être la fin. Est-ce qu'il va tomber? Melon qui s'en sort à 2 HP. Krupi. Ah, Krupi. Stopwatch. Ah non, c'est la fin, je crois. C'est la fin. Oh, le flash out de Krupi. Y'a le Chinico. Allez, regarde. Ils ont un gros avantage d'HP. Y'a le Chinico. Il faut pas qu'il prenne un Q de Vel'Koz. Un Q de Vel'Koz, c'est fini. Ah, mais ils ont pas d'HP, ils vont se faire des. Ouais, mais y'a un monde où ça peut passer. Je sais pas. Attention. Ah, le coup spell, c'est fini. Ok. Le coup spell sur Melon. Ah non, c'est terminé. Et bravo, on a les premiers finalistes. Nous avons Tukui, Krakmo, les premiers finalistes. Et yo les gars. Yo. Oh les gars, dommage, yo, beau parcours. Hein. Dommage. C'était close. GG. Très close. GG. Des impressions, quelque chose à dire? Épuisé. Ouais, oui, je sais. J'avais vu le game là. Ouais. 20 minutes. Mais ouais, GG, c'était serré. C'était grave serré. On savait que ça se jouait à la draft, là. C'était vraiment dur, hein, putain. Ouais. Genre Qiyana Vel'Koz là avec nos picks là. Ils ont vraiment bien draft. Mais GG. Ça punit. Surtout Qiyana, c'était vraiment, je trouve, ingérable en vrai. Ouais, clairement. Les deux, ils ont tellement de picks qu'ils sont vraiment forts. Genre, ils ont plein de compos avec Trinda et tout. On a pu voir dans le tournoi. Et... Franchement, vous avez pas démérité, vous avez assuré, je trouve. Ils ont bien fait, putain. Ouais, ça s'est tenu à l'endurance en vrai. Ouais, c'est ça. C'était une game d'endurance. C'était clairement ça. La patience, l'endurance, on l'a dit. Hein. Merci. Passez une bonne soirée, les potos. Bisous, les potes. Bye. Ciao. Bonne chance à vous. Ciao. On a déjà la draft de Ready, les amis. Et c'est le moment attendu pour beaucoup d'entre vous. Sardosh et Mili contre Kakor. On y va. Flash in d'entrée comme ça, tu crois? Non, je suis là. Je viens de m'abandonner, les gars. Il vient de me faire un. Non, je suis là. Oh, quoi? Directement le fait. Le trésor. Machine, tu l'avais dit, gros. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça d'entrée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais en train de. Ça aurait été mieux. Tu vois là, ils push, ils veulent dive là. Clairement, ils veulent dive. Ouais, clairement. Oh, attention. Tu vois. Saken. Il a la barrière. Oh, Saken. Il a la barrière. Oh, Saken. L'Ignite. Saken qui va tomber. Ça passe pas.
ça passe pas. Il y a la catastrophe. Ça passe pas. 2 HP. Oh, ils sont alpha. Oh, ils sont beaux. Et ils jouent avec la rune. Oh, attention, les dégâts sur Sakun. Attention, attends, mais ça peut être Sakun qui a flash out. Le R qui est claqué. Sakun, c'est fini. Attention, on a lag. On a l'œuf. Oh non, la reine. La reine qui va tomber. Sakun qui va arriver. Non, la reine qui bloque Trundle. Oh, la reine était parfaite. La reine était parfaite. Sakun et Targamas qui viennent chercher la première victoire de ce BO. Game numéro 2 de ce BO légendaire, ce banger. Ah, ça commence mal, là. Ça commence mal. Ils sont sous pression dès le début, là, Mini Sardoche. Non, ils vont vouloir sustain tranquillement. En plus, là, ils peuvent all-in très facilement. Parce que, attends, attention, le double set de la part de Sardoche. Attention, Sardoche. C'est Sakun qui n'a plus de flash. Lui, il a pas de flash. Très bien joué, le all-in sur Sardoche, Sardoche qui va sûrement tomber, qui a flash out, le flash in de la part de Sekun, Sekun qui va pouvoir trouver le kill. Regarde nous qui se retrouve. On a Targamas sur le côté. C'est terminé, Yuki n'a plus de flash, mais qui va tomber également sous les coups de Sekun. C'est terminé, Sekun qui récupère avec la stopwatch. C'est si stylé. Oh là là, c'est tellement contrôlé, c'est maîtrisé de A à Z. 2-0 pour la K-Corp contre Sardoche et Mi. Donc là, les fans de K-Corp sont heureux, les fans de Sardoche sont un peu déçus. On va aller le prendre en vocal quand même, le frérot Sardoche. Yo-yo, ça vaut quoi? Tranquille? Je peux troller. Ouais. En fait, je t'explique. Le but c'était de cancel le combo de Jarvan. On n'a pas réussi une seule fois, que ce soit avec mon Wool ou avec le pillard. Donc, Ah oui, d'accord. En fait, mécaniquement, j'étais pas au point. C'est une game qu'on doit gagner, ça. Vraiment. C'était trop fort. Si tu cancel les combos. En fait, c'est ça. Si on cancel le combo de Jarvan, c'est bon. Mais par contre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est la meilleure lutte du monde, en fait, là qu'on a en face. Hein. Ouais, il est trop fort. C'est du jamais vu, vraiment. C'était incroyable. Je ne pourrais rien faire. T'as vu le POC, genre, il touche tout le temps. Ah, j'ai perdu 100% de mes HP par le pix de Lulu. Et à un moment donné, je me suis laissé toucher pour régène et tenter un all-in avec son mon 9 mais avec des HP, tu vois. Première game, on s'est fait chier. Je pensais vraiment pas qu'ils avaient autant de dégâts. Je suis dégoûté. Alors, c'est vraiment mécaniquement, j'étais à 10% de mon niveau. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas très grave. Oui, parce que tu joues pas trop en ce moment à la LoL. Ah, bah, ça fait 3 semaines que j'ai pas lancé une game en fait. Mais ça a rien à voir, hein, franchement, on jouait bien, mais non, mais c'était trop fort. Carrément, carrément. Coup, vous avez super bien joué. Respect à vous, les gars. Vous êtes allé quand même jusqu'en demi, tu vois. Tu t'attends. Malheureusement, le gagnant de cette game va gagner la game, va gagner la finale dans tous les cas. Peu importe qui gagnait là, c'était le gagnant. Tu penses pour toi que j'en suis certain, parce que là, la game elle doit pas durer 25 minutes si je joue parfaitement la game d'avant. On est d'accord que là, vu comme il joue à gros, Sakun et Targamas, je pense que s'il change pas de gameplay, ça va être difficile. Et la prochaine fois, la prochaine fois, peut-être revenir avec un peu de training, voir ce que ça donne. Faut le refaire quand je suis train et sur la. Sur ma vie, que je suis la reine des salopes si je détruis pas tout le tournoi en fait. C'est noté. C'est noté, hein. Attends, black note pour Sardoche, c'est noté, c'est bon. Enregistré. Bisous, ciao. À la prochaine, du coup. D'avoir été là. Ciao, ciao, bisous. On y va, let's go. Grande finale. Tukui, Krakmo contre Targamas, Sakun. C'est parti. Je ne souhaite qu'une chose et je pense que le chat va me suivre. Je veux que ça bouge, je veux que ça kill, je veux pas que ça farm. On y va. Et là, ça va pouvoir potentiellement grignoter un kiff. Peu, tu vois. C'est un kiff, cette game. Autant, tu vois, elle est pas ultra. Elle est agressive en fait, tu vois. Il y a des trades tout le temps. Ouais. Donc, même si elle dure un peu, c'est vraiment un plaisir, cette game. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Je la kiffe, cette game. Oh, là. Encore. Boom. Le POC. Boom. Il aurait peut-être plus kick là. Ouais. Oh le trade. Ouais, ça commence à être compliqué là pour Krakmo. En vrai, il peut pas trop s'approcher. Ah, le spell qui va toucher, est-ce que. Bah, il peut pas y aller. Il peut pas y aller, non, il peut pas y aller. Là, par contre, il peut. Peut-être. Ah, non, là, il pouvait. Il peut. Stopwatch. Stopwatch. C'est bien, ça force à stopwatch. Le kick. Le kick, et il a voulu kick sur Krakmo. Il a pas ulti Tukui, hein. Il a pas ulti le sang-froid de Tukui sur son Tryndamere. Tu te rends compte, tu te fais. T'as 2 HP, tu sais que Lizzy il a son kick et tu ulti pas comme ça. Ah, c'est peut-être le goal là. Premier kill. Le premier sang directement Sakun qui Sakun ne loupe aucun Q-spell. Il touche tous ses Q-spells sur Vel'Koz. Il est pixel, vraiment. C'est. Il est trop fort. Et là, c'est il serré, hein. C'est l'ulti de Trinda. Là, surtout, ils vont. Il a pas ulti encore, mais c'est incroyable le sang-froid. Ils ont la tour. Ils ont la tour. Ouais, c'est fini. Là, ça y est, l'ulti a été craqué. C'est terminé. Oh là là, c'est fini. Faut taper la tour. Mais tu vois, ils veulent jouer quand même le kill, ils vont récupérer. Ils vont taper la tour. Et c'est la première game de la part de. Pour Sakun Targamas. Oh là là, mon dieu. Attends, mais entre. Franchement, les deux côtés, hein. GG à Krakmo Tukui, très beau match. Ouais. C'était technique, c'était précis. On a eu des trades de folie, des dodges dans tous les sens. Franchement, c'était incroyable, j'ai plus de voix. Donc c'est en BO5, donc ça va durer un petit peu si c'est serré. 1-0 pour la K-Corp. C'est parti. Allez. Tukui, Krakmo. Qu'est-ce qu'on a? Targamas Sakun, game 2. On y va. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Emmerdinger. Non. Le Emmerdinger. Envie de mourir. Targamas, il joue Emmerdinger, frérot. Que tu go in, on y va. Il a sorti Emmerdinger, Targamas. Le blanc, c'est broken, attention. T'es mal les dégâts de le blanc. Oh là là, l'all-in. Oh mon dieu, l'all-in. Incroyable. Oh là là. Tukui qui loupe son combo. Tukui n'a plus d'ombre, c'est un timing pour trade. Oh là là. Sans le blanc. Krakmo avec le blanc, oh là là, les dégâts. Attends, mais ils sont trop pixels. Attention, le blanc qui go in sur Sakun qui va prendre quelques dégâts de la part de le blanc. Bon, très bon, les dégâts de Tukui. Les dégâts. On dodge un peu plus. Oh là là, les Wow. Non, mais le blanc c'est infâme. Hein. Attention, ouais, Targamas qui. Eh ouais. Oh. Flash out, flash in. Ok, ça joue bien. Attention, est-ce que ça passe?
Est-ce que ça passe? La marque explose, est-ce que ça passe? L'ombre, attention! Oh, il est resté sur l'ombre! Il avait mis l'ombre ici, c'est ça qu'il a oublié. Et c'est 2-0, c'est déjà terminé. Une game de 3 minutes 40. Oh là là. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Et ils continuent à se battre, gros, ils veulent pas. Ouais, ils veulent tuer Targamas aussi. Game numéro 3, les amis. Un partout dans ce BO5. Ok. Ça touche. Shuriken qui touche. Ça touche, ouais. Mine de rien, c'est des petits trades qui sont importants en vrai. C'est des trades. Oh, Targamas est bloqué. Il est bloqué dans le wall. Targamas est bloqué dans le wall. Il pouvait rien faire. Il va sûrement tomber. Il est tombé à cause de ça. Là, je tiens à vous dire que là, il doit être en sang. Vous êtes stuck dedans et pouvez rien faire. Ça m'arrive en game aussi en solo queue et c'est comme ça malheureusement, on peut pas rimer. Attention, le combo, Sakun qui va flash out, le combo. Sakun qui se retrouve, il a son pas. Attention, il faut return. Sortir. Oh, Fukui, Targamas qui va faire un kill sur Kakou. Les deux, qui va tomber. Attends, c'est fixe. Est-ce qu'il passe? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est terminé, gros. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Targamas. C'est la plus belle manche du tournoi. Elle était magnifique. Replay s'il vous plaît. Regarde Sakun. Hein. Regarde bien Sakun comme il a tout temporisé. Regarde. Hein. Il prend l'ulti de Z. Il ulti. Il Zonia. Pour l'ulti. Et là, attention. Regardez. Et là, regarde bien. Hop, flash out du stun Manivia. Et il se replace. Et là, il va zoner. Il va se replacer. Targamas, regarde le flash in, le double stun. Oh là là. Et encore Crackmo, et le pire c'est que regarde, là voilà, il tue pas, il met l'auto, mine de rien, l'auto sur Crackmo fait vraiment la diff, hop, il proc le Q-spell, et voilà, et c'est terminé. Et on y va, première balle de match pour la K-Corp. Bah tu joues sur le format, là ils sont adaptés au format, ils connaissent bien le format, et puis voilà. Low-lead, oula, Targamas, attention les dégâts de Targamas. Oh, Sakun qui va stopwatch au très bon moment, mais Sakun qui a un peu tôt la stopwatch, okay, et ça flash out tous les deux. Double flash out, hein. D'accord, c'est comme ça que tu veux le trade, toi. Oh, le flash qui passe pas. Aïe, dommage. À leur place, on ferait tous pareil. Oh, le double shuriken qui touche. Attention, Sakun, peut-être le Z qui va go in derrière. Oh. Oh, attention, Targamas qui prend beaucoup de dégâts. Sakun qui prend le poke, tout couille. La marque qui va tuer Sakun, hein. Attention, Sakun, ouais, qui attention, va tomber. Ah, c'est la fin, les double kills. Oh, le trade. Et du coup, on aura une finale en BO5. C'est... Enfin, en 5 games, pardon. La finale est pixel 2-2. Bravo à Crackmo et Tukouille. Il y a 2-2. La dernière game, ça va être la dernière. C'est clair et net. Allez, je veux un chat de folie, les gars. Allez, les gars. C'est parti. À fond pour la dernière game. Let's go. Ah là, il y a la fatigue, là. Il y a la fatigue, il y a tout. Qui va gagner? Targamas, Sakun ou bien Crackmo? 5 000 balles à la clé, quand même. Oh, Tukouille, 5 000 euros pour les deux premiers. Donc 2 500 € chacun. Ça fait beaucoup de tartiflettes et beaucoup de raclettes pour la team raclette que je vous déteste. Mais bon, ouais. Attention, ah oui, d'accord. Sakun qui a très fait. Oula. Qui est déjà qui passe. Attention. Ok, exactement, ça rend le trade. Une belle finale, c'est, ça. C'est presque even. Une belle finale, ça. En termes de trade, presque even. Ouais. Attention. Attention, Tukouille qui go in. Ah ok, ça touchera pas à côté. Ils veulent jouer agressif, ils veulent finir les gars. C'est beau jeu, on se régale, c'est une très belle finale. Sakun Targamas qui sont sous pression face au Vel'Koz et Lee Sin, là ils sont sous pression. Hein. Là ça va être dur là. On sent qu'ils ont pris la confiance, la Crackmo et Tukouille, on sent qu'ils se sentent vraiment. Là c'est le mental, là ils sont ultra à l'aise. Hein. Ouais, est-ce qu'il le POC. Attention, le combo. Crackmo qui se fait shot. Attention, c'est peut-être la fin là-dessus. Tukouille qui est bloqué. Crackmo qui s'est fait littéralement exploser. Il n'a même pas eu le temps de flash out. Ouais. Il a pas eu le temps de flash out. Il s'est pris E Targamas, ulti de Sakun, combo et ulti de Targamas qui reproc derrière. Du love. Dans cette finale, double stun directement. Oh, le POC, le taf de Targamas sur sa Nico. Il est. Je pense vraiment quoi, qu'ils sont pas confiants. Oh, le dégât du E. De Sakun. Sakun, il va aller dormir dans son lit, il va lever la main pour envoyer le drapeau, tu sais, même quand il dort. Ouais, il j'avoue. A envoyé 8000 drapeaux dans ce Sakun, résumé de la CPU. Drapeau. Attention, Tukouille le trade. Ça kick out Targamas. Attention, il va se faire tête all-in. Ouais, Sakun qui prend énormément de dégâts. Il veut flash out très tôt pour pas forcément faire. Voilà, pas prendre trop de dégâts et pas donner de kill surtout. Ouais. Ça va attendre les heals, ça va se jouer sur un seul gros trade. On a la stopwatch de up sur Targamas, mais on a pas la stopwatch de up sur Jarvan. Ça, c'est un problème. Ouais. Ils peuvent all-in le Jarvan et le one shot et derrière, ils viennent sur Targamas. Attention, on regarde Tukouille, ok, qui va sur Sakun. Sur Sakun. Il est trop tanky. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Oh, le sidestep. Ok, le sidestep, très beau sidestep de la part de Tukouille, hein. Oh, le sidestep de Tukouille. Attention, le tip de Vel'Koz pour mettre du... Non, okay. ça part. Il faut faire claquer le flash du Vel'Koz. Ah, allez, attention, bon, Jarvan qui va tomber, voilà, en plus il les a... dégâts. Attention, l'insect peut-être. Attention, ça faillit être dangereux, ça. On a le flash qui est sur Targamas. On va essayer de tuer Tukouille, hein. On va essayer de tuer Tukouille. Attention Targamas. Oh, la stopwatch. Très belle stopwatch. Attention, le Q-spell. Oh là là. Que c'est serré, mon dieu. Oh mon dieu, comme c'est serré. Targamas se retrouve très très low. Les matchs sont trop beaux, hein. Je suis impressionné par le niveau de la finale. Info intéressante, Targamas, je viens de capter qu'il a pris 2 cristals de rubis, il a pas pris de dégâts. Le flash in, et voilà. Oh, ok, on se repositionne. Sur Tukouille. Le très bon air. Oh là 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 là, attention, Tukouille. Le kick ignite. Oh, on a eu le Targamas.
C'est oh. tellement close. Crackmo va-t-il jouer autour de l'inhibiteur ou autour des T3? Ça, on sait pas. La tour Non Non La tour C'est gagné. Cette couille Crackmo qui remporte en finissant avec la tour. Mon dieu, la tour. J'avais vu les sbires qui tapaient. C'était si close. Mon dieu, ce BO. Cette finale incroyable. Diable, Tukui et Crackmo qui sont les vainqueurs de la CIP Cup, première édition, magnifique, un BO de rêve, un chat en folie, GG les gars dans le chat, GG, j'applaudis, applaudis avec moi. Bravo, incroyable, première tour qui tombe, Tukui qui a vite mis son Dashin là, auto-attaque sur la tour. On va commencer par ceux qui ont perdu ce BO, bonsoir les gars, désolé du coup pour ce BO, mais franchement vous nous avez régalé en termes de plays, c'était trop bien, vous avez régalé le chat, il y a eu des blue walls dans tous les sens, la K-Corp était là pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous en avez pensé en vrai du format, du tournoi, tout ça, ça vous avez kiffé le format de V2? Ouais, clairement, c'était cool. Ça va tranquille? Ouais, c'est bien, je pense. Moi, j'ai une petite question. Non, ouais, c'était un peu long, mais c'était sympa, mais c'était ouais. un peu long. Ouais, j'imagine. Ah ouais, j'imagine, ouais. On a fait comme on a pu, mais avec le serveur tournoi, il full bug en ce moment. C'est le bordel, quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai j'avoue, les gars, c'était un très beau BO. J'ai une question très importante. Vous pensez quoi du gameplay de Crackmo? No comment. Bah, ils viennent de rien dire, donc le vide, je le néant. Non, mais en vrai, on voyait vraiment, genre, chacun qui voulait à tout prix, genre, mettre son combo pour le all-in, et on voyait Crackmo qui attendait sous l'inhibiteur, quoi. C'était incroyable. Que du meilleur pour vous, et en espérant ouais, que. Ouais, on vous souhaite le meilleur arrive encore. Hein. Que la win, voilà, c'est bon. Que le début. Merci beaucoup, les gars. Bah, bonne soirée, les gars, à la prochaine. Bonne soirée à vous. Ciao, les gars. Ciao. Et bonsoir, Tukui Crackmo. Ils sont là, les BG. Oh, salut, les gars. Les grands gagnants. Comment ça va, les gars? Je pense bien, quand même. On est crevés. Ouais, on est crevé, on a joué des BO d'une heure et demie. Ouais. Bon, on n'avait pas le gameplay le plus flashy de l'univers, mais. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques games où j'étais en mode, mais allez-y, bordel! Avant, on a clairement tenté de battre le record de la game la plus longue. Hein. Ouais, mais franchement, non, merci mais pour après, le BO contre K-Corp. Vous avez joué assez aggro contre K-Corp. Ouais, vous êtes réveillé, franchement, vous avez fait 2-3 games contre K-Corp. Vous avez vraiment joué très aggro, ça a bien payé. Après, clairement, vous avez le niveau. Et bon, comme on expliquait, on sait pas trop au Crackmo si tu joues un peu en ce moment, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas n'importe qui en face. Bon, tu jouais pas avec n'importe qui, hein. Tuk-Tuk, voilà, ouais. c'est pas un être humain. Mais franchement, malgré tout ça, bon, on a un peu rigolé, mais c'est vrai que c'était beau. Vous avez quand même proposé de belles choses. Tukui, ton Z, il est pixel, hein, il est ouais, beau. Hein. Beau Z, Tukui. Ouais, il y a juste eu la game 3 où j'ai giga le seum de m'être fait avoir par le flashing de Nico, mais bon. Ah bah oui. En vrai, c'était un beau play, il a eu nous deux. Ah oui, il a trop bien joué sur ce move là. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Tukui, merci encore pour d'avoir accepté l'invitation. Toi aussi. Merci pour le tournoi. Franchement, je sais qu'il y a eu quelques problèmes, ça a dû un peu de tilt, mais franchement, l'organisation était pixel. En vrai, je te cache pas, j'étais en mode, bon, tant pis, un lucky, tu vois, pas tilt parce mais que ça s'adaptait, tu vois, c'est cool ça. Ça on genre s'est jour 2. Juste une dernière chose, Tukui, on va partir d'une logique là. Yes, okay, tu tell me. Tukui, tu as gagné, tu viens de gagner K-Corp en 2v2, ok. Oui. Tu as gagné ton tournoi de 2v2, second target. Okay. Je t'ai solo kill avec Graze il y a pas longtemps. Ok, est-ce que t'es meilleur que la K-Corp? Ça veut dire, est-ce que indirectement, j'ai pas gagné en 2v2 second target? Mais je pense que tu mérites de gagner les 8 Masters et tu mérites d'aller au World et de gagner les Worlds. Bah, c'est incroyable. T'as suivi la logique, Tukui, je suis très fier de toi. J'aimerais dire quelque chose quand même, parce que j'ai voulu jouer Camille, parce que Camille, ça avait l'air fort en Aram. Et du coup, toute la journée, j'ai spam Camille, et j'ai vu un guide de PGM, voilà. comment jouer Camille top, les combos et tout, et j'ai spam. Ah, incroyable. Et bon, sérieux ou pas quand même? Non, c'est sérieux, mais du coup, je me suis dit, bon, contre la K-Corp, first time Camille, c'est peut-être pas... voilà, parce qu'en fait, on avait du lourd. Bah, les gars, passez une très bonne soirée, on vous contacte bientôt pour la suite. Merci, bonne soirée. Bonne soirée les frérots, encore GG, des cœurs pour le chat. Salut. À la prochaine les gars. Ciao. On arrive du coup à la fin de cette Steep Cup, merci à tous les viewers, on dit GG à toutes les équipes, tous les participants, tous les joueurs, merci à Sixen et Pej pour le cast, merci à Louis pour bien évidemment la gestion, tout ça, du live, premier event, je finis avec une bonne note, je me suis régalé, ces deux jours étaient trop bien, j'ai hâte d'organiser le prochain, voilà, la Steep Cup 2, OMG leak, Steep Cup 2, OMG leak, bientôt, hein, j'espère, j'essaierai de combler un petit peu les erreurs qu'il y a eu cette fois, essayer de m'adapter, et on va essayer de voir un petit peu ensemble comment on va gérer tout ça la prochaine fois, c'était grave cool, c'était Slipou, et Péjou. Merci à toi pour l'invite. Clairement. Ouais, merci à tout le staff derrière, hein. Vraiment merci à tous ceux qui étaient présents et merci à la communauté pour cet accueil et pour cette présence et pour cette bienveillance surtout. Ouais. C'était un régal et moi j'ai hâte d'être aux prochains events. On était tellement bien entourés qu'il n'y a que du bon qui arrive, quoi. Merci encore le chat, merci à tous, à la prochaine, bye bye. Bisous, ciao ciao les gars.